vous faites là, les gars? Ah, je sais pourquoi vous êtes là. Vous voulez la suite du cani paddle? Ok, après avoir vu la maîtrise de son paddle, aujourd'hui, on va initier son chien au paddle. Donc là, on se retrouve avec Gucci, le petit Falco et la majestueuse Liu. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite. Première étape que souvent on néglige, c'est de faire participer son chien à la préparation de la mise au paddle. Par exemple, les petits bruits, commencer à faire le pompage, que le chien s'habitue à ces bruits-là. Dérouler le paddle. Par exemple, le paddle n'est pas encore gonflé, mais vous pouvez faire monter tout simplement le chien sur le paddle pendant que vous gonflez. C'est ce qu'on va faire. Vous voyez sur les images. Allez, c'est parti. Oui, gamin. Voilà, nouvelle étape, on a posé le paddle à plat, sans l'aileron au sol, pensez-y dans la première vidéo, pour abîmer votre matériel. Donc là on va devoir habituer le chien à une nouvelle texture, à une nouvelle forme qui est le paddle, et souvent il a des appréhensions. Voilà. Donc là le but c'est que le paddle il soit vraiment stable et qu'il n'ait pas encore ce déséquilibre. Donc là on va y aller étape par étape, on va le faire avec Liu, Falco et Gucci pour que vous voyez un peu les différences entre chiens. Allez c'est parti, on se retrouve tout de suite. Premier exercice, on va apprendre au chien à juste traverser. Souvent il va sauter, juste poser ses pattes. Et au pied, doucement. Voilà. Donc là, Liu, vous voyez en fonction de son niveau. Halt, pencher, au pied. Oui. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire plusieurs fois. Vous pouvez faire des traversées dans ce sens-là. On va faire des traversées en long. C'est parti. Hop. On fait ça avec Falco maintenant. Voilà, on se retrouve avec Falco. Voilà. Donc voilà, on l'a fait passer. Donc là, il a pris l'habitude par rapport à la première fois. La première fois, il ne voulait même pas mettre une seule patte. Donc là, on peut le faire traverser et tout aussi bien jouer, comme ça il se rend plus compte, il se focalise plus sur le paddle mais sur le jeu et son corps il apprend la texture, le fait qu'il soit dessus et qu'il n'ait plus aucune crainte. Là il va toujours se dire c'est positif ce que je fais. Voilà. Allez mon corps, oui. Paco, lâche. Oui. Et où tu bouges? Allez, couché. Pas bouger, coucher. Donc un autre conseil aussi pour vous, entraînez toujours un chien à la fois. Donc là ça va à Liu, elle est vachement assidue sur les arbres, mais quand vous avez deux chiens qui sont pas très au point, prenez le temps avec un chien, quitte à le laisser dans la voiture. C'est pour ça qu'on a laissé Gucci, parce qu'on sait que Gucci elle a un peu plus de mal, et après on fera Gucci à part. Voilà, ça c'était une petite astuce pour vous. On va passer sur Gucci, comme ça vous aurez trois chiens différents et vous voyez qu'il y a des grandes différences. Attention, Falco, t'es prêt? Attention, 3, 2, 1, tchou, allez! Parfait.
qu'avec Antoine en parlant, il a bien fait de me dire pour vous conseiller. C'est vrai que là, on est passé de la maîtrise du paddle à l'initiation aux chiens. Et là, vous voyez les vagues. En fait, ce qui était prévu, c'était d'apprendre aux chiens dans des mini creux de vagues. En fait, vous savez, quand la mer descend ou quand elle monte, elle laisse des genres de grandes flaques qui sont pas profondes, mais où on peut faire apprendre le chien. Donc le but, c'était vraiment ça. Donc, si vous voulez faire une première séance, je vous déconseille de le faire avec une mer où il y a autant de vagues. Privilégiez plutôt un lac avec ou une mer vraiment plate ou des petits creux de vagues. Voilà. La deuxième astuce, c'est apprenez à votre chien à apprendre à monter sur quelque chose. Monte sur le paddle, monte sur le canapé, monte sur le banc, hop, faites des exercices où il apprend à monter comme ça. Quand il est dans l'eau, quand vous allez dire monte, il sait qu'il va revenir vers vous pour monter sur le paddle. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire où vous avez votre chien au pied et vous lui dites à 1 mètre, monte, positionne-toi. Voilà. Vous reculez d'un mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Voilà. Ça, c'est une petite astuce. Et pareil pour descendre. Apprenez-lui à descendre, lors de descendre ou de sauter. Voilà. Ce que je disais, monter et descendre de près et de loin, comme là elle sait que l'avant c'est sa place. Comme ça votre chien quand il monte, clac, il se met devant. Après ça va vous devoir avec votre ressenti si vous préférez qu'il soit devant, au milieu, derrière. Moi perso, pour compenser le fait que vous soyez derrière et que ça se lève, votre chien il va réguler votre paddle et la surface du paddle sera au maximum sur l'eau. Allez, on va passer sur l'eau, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est exactement la même chose qu'on a fait sur le sable. Donc les petits exercices que vous avez fait sur le sable, on va les refaire dans l'eau. Donc là il y a beaucoup de vent, je suis désolé si vous m'entendez pas bien. Donc ça sera un peu plus dur avec le en termes de vagues. Mais si vous faites ça sur un lac, normalement la progression elle est super facile. Allez, c'est parti, j'en dis pas plus.
aura plu. Quand vous êtes avec votre chien et vous l'initiez, n'allez pas trop vite. Dites-vous que vous maîtrisez votre paddle. Après, vous faites cette petite initiation et son cerveau il va réfléchir. Vous laissez une nuit ou deux. Et comme ça, c'est comme nous, le temps d'apprendre, que le corps apprend aussi voilà, la nouvelle discipline. C'est beaucoup mieux, ça sera plus constructif que de vouloir tout de suite aller sur un lac et pagayer. Je sais, c'est un peu frustrant pour mettre, car nous, on comprend des fois un peu plus vite, des fois des choses un peu moins vite. Un dernier point sur le canipaddle, je vous conseille, surtout sur les chiens qui savent pas trop bien nager, achetez n'importe quel gilet de sauvetage. Regardez les avis, maintenant sur internet, vous savez si c'est bien ou pas bien. Voilà, nous on a celui-là, on l'a sur Polytrans, vous avez un code promo de moins de 10%, mais par contre il faut appeler. Voilà, n'hésitez pas à me contacter pour avoir le code promo. Donc voilà, ça a été beaucoup de plaisir qu'on fait cette petite série. La prochaine série sera pour des chiens qui auront déjà fait les deux premières vidéos et on va commencer à aller en mer, aller sur des lacs et se faire plaisir. Voilà, je vous laisse sur de belles images, on va sortir le drone. Je vais aller en mer avec Liu et Gucci, on va s'éclater un peu. Et on se dit à très vite pour une nouvelle série sur le canipaddle. Allez, bye la team.